Vous là, j'ai l'impression que le mois de janvier 2024, on est dedans. La chanson d'Onel Mala me parle. La chanson, on dit que la paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants. Mais on veut repartir à zéro, on veut éviter. Je vous dis qu'il faut pardonner. Pardonner sans hésiter, se réconcilier pour éviter son verset. Hey, j'ai envie de pardonner et j'ai envie de me faire pardonner. Je ne sais pas cette année 2024 là. J'ai envie de faire la paix avec toutes les personnes avec qui je ne parle plus. Sauf Outelina. Allons, Outelina, toi même si Oufoua Boigny vient me parler en songe pour dire que mon fils, la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Je ne vais pas me comporter. Pardon! Pardon! Même si le père fondateur Oufoua Boigny vient me dire que Kevin, la paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Je vais lui dire, papa, je ne veux pas me comporter. Comportement, ça là. Je ne vais pas faire. Je vais faire comportement bas, ouais. Daya Nakamura. Pour toi, là, je ne vais pas faire. Ah non, 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 non. Toi seulement, c'est non. Je préfère dire ça. Parce que vous allez dire en commentaire. Ah, mais c'est qu'il faut parler à Kouté. Faut parler à Kouté Lina. Non. Kouté Lina, c'est un nom définitif. Et je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Voilà. La vie est courte. Marchons main dans la main. Ma grande soeur, marchons main dans la main. Générique. Coucou les chouris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Les chouris, avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Qu'importe la somme que vous envoyez, si vous êtes en Europe, vous payez que 2 euros de frais d'envoi. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous payez 0 dollars de frais d'envoi. J'ai mon code promo chouris12 qui vous donne 5 euros gratuitement si vous êtes en Europe et 10 dollars gratuitement si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Même si tu as déjà utilisé mon code promo, même si tu as déjà utilisé TapTapSend, parle-en à tes proches, parle de ça autour de toi. Voilà, c'est une application efficace. C'est vérifié, c'est efficace. Donc n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis mon hola, ça me vient de la galerie Margot. C'est un ensemble, c'est la galerie Margot, c'est très beau. Voilà, donc voici le compte Instagram de la galerie Margot si vous avez envie de regarder ce qu'ils font, de commander, d'acheter des vêtements parce que franchement, ils font de la qualité. Ils m'ont pas payé pour dire ça, hein, mais je le pense sincèrement. Ils m'habillent sur plusieurs émissions. Habille ça là même, je dois redonner. Quand on nous donne habits pour porter dans les émissions, là, on garde pas, hein, on redonne. Donc, je dois redonner. Mais tellement j'ai trouvé ça joli, je veux en parler sur ma chaîne YouTube. Sinon, c'était juste pour faire l'émission. Mais dès que je finis, je redonne. On envoie au pressing, on redonne la chose. Mais franchement, j'ai trop aimé avec le pantalon, tout ça. Le pantalon est un peu taille haute. Attendez, je vais vous montrer le pantalon. Mais ils m'ont pas payé. Travail même, je suis en train de faire là. La galerie Margot va pas me donner ça cadeau. Hein. Vous n'allez pas me donner ça cadeau, la galerie Margot. Regardez, c'est marqué Margot. Ah, c'est trop beau. Margot pour un pantalon cargo. Margot pour un pantalon cargo. Pantalon cargo, galerie Margot. Mais il faut pas que les pantalons cargo. Voilà. Attends, j'ai bien plié. Et puis on va envoyer au dressing pour ramener à la galerie Margot. Maintenant, si Dieu a touché leur cœur, ils peuvent me dire de garder. Ah, de garder les habits de la galerie Margot. Donc voici l'Instagram, les chouris. Allez-y, regardez et commandez des vêtements si vous le souhaitez. Voilà. Vous savez que depuis 2024 a commencé là. Je n'ai pas fait de FAQ, non. J'ai fait FAQ pour la fin d'année 2023, mais j'ai pas fait de FAQ pour janvier. Pourtant, depuis, j'ai ma chaîne YouTube là. Chaque année, je fais un FAQ en début d'année.
Donc je ne sais pas pourquoi en 2024 ça va changer. Première question, pourquoi tu ne parles plus à Daisy? Avant d'expliquer même, je veux m'excuser. Oui, parce que Daisy, c'est pas ma camarade, c'est ma grande sœur. On a toujours eu cette relation de grande sœur, petit frère. Oui. Donc déjà, je veux m'excuser pour ce couac. C'est parce que mon sein est comme Gary. Mon sang gonfle dans mon corps. Mes globules blancs, là, ça gonfle comme couscous. C'est pour ça. C'est pour ça que mon tempérament est chaud chaud. Mais 2024, je vous ai déjà dit, je travaille sur moi. Je fais un travail sur ma personne. Je fais un travail de fond sur ma personne. Déjà, je veux demander pardon à ma grande soeur. Où que tu es, j'attrape tes pieds. Un petit frère n'a jamais raison sur sa grande soeur. Enfin, c'est ce qu'on nous dit hein, en Afrique ici. J'ai sali ton courage. J'attrape tes pieds, ma grande soeur. Je vais vous expliquer pourquoi on s'est fâché. C'est un truc. C'est moi-même, je n'ai pas raison. C'est, je reconnais. Je reconnais mon tort. Mea culpa, mea culpa, mea, mea oh, mea, culpa oh, culpa, papa, papa, culpa. Je reconnais mon tort. J'étais à Paris. C'était en juin ou en juillet ou en août. En tout cas, c'était en été là. Je pense que c'était en août. J'étais à Paris. Et puis, je vais te dire la vérité. J'étais en état d'ébriété. Voilà. J'avais un peu... Vous avez vu, non? Donc, j'étais pas dans mon état normal. Et je reçois un message pour dire que, aïe, pourquoi Daisy permet ça? J'ai dit, permet quoi? Et on m'envoie un lien de vidéo. Donc, vous savez que quand je suis à Paris, là, partout où je vais, je prends mon casque pour sortir. Donc, je mets mon casque. Le lien, on voit sur TikTok. Je clique. Je vois son miel. Comme c'est comme ça, elle l'appelle. Lui, Yann Ariel, il a fait une vidéo avec un gars que je ne connais pas. Donc, c'était des questions là où on dit que tu préfères telle personne ou telle personne. Voilà. Et ils ont fait. Et dans la vidéo, on leur demande, donc Yann Ariel et son camarade là, on leur demande Kevin Aubin ou l'excès. Le camarade, je ne sais pas, il a dit quoi, mais lui-même, je m'en fous parce que je ne sais pas c'est qui. Mais Yann Ariel, quand je me vais chez Daisy, je le vois. C'est pas mon ami, mais normalement il y a respect. Je sais pas si vous voyez, normalement je l'ai toujours respecté. Vu que bon, c'est le miel de ma grande soeur. Donc, en tout cas, je lui ai jamais manqué de respect. Jamais. Bien au contraire. Donc, Yann Ariel maintenant lui pose question, l'excès ou Kevin Aubin. Il dit où? Et puis il rigole. Jean l'excès où? Kevin Aubin, il choisit pas quelqu'un, il choisit où? Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être que c'est moi, je suis fou. L'excès ou Kevin Aubin? Soit tu dis je préfère l'excès parce que, ou je préfère Kevin Aubin parce que ses vidéos, bien l'excès me fait rire, donc je préfère l'excès. Voilà. Normalement même, il devait dire je préfère Kevin Aubin parce qu'il est proche de mon Doubéi. Voilà. Donc, bon, quand j'ai dit Doubéi, j'ai dit ça comme ça, parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils sont en couple. Moi, je ne sais pas s'ils sont en couple. Mais en tout cas, ils peuvent dire que, ah, je suis très proche de Daisy, et lui aussi, il est proche de Daisy. Donc, je préfère Kevin Aubin. Normalement, c'est comme ça. Normalement, ou bien même si tu ne veux pas dire, tu dis, bon, je dis rien, que je m'abstiens. Mais rendu l'excès au Kevin Aubin, tu dis où? Donc, moi, c'est monté dans ma tête. En temps, j'étais en train déjà même de trucs. Donc, j'envoie le lien à Daisy. Et je lui dis, c'est toi qui permets ça. C'est toi qui permets que lui là, il va me parler comme ça sur internet. Pourtant moi je n'ai jamais permis à un de mes proches de te faire ça. Donc elle me dit, mais attends, tu parles de quoi? Je lui dis, faut regarder la vidéo. Donc elle regarde, elle dit, mais je n'avais même pas vu. Je dis, c'est faux, tu as vu. Ça dépend de ce que vous vous dites là-bas sur moi. Si il n'a pas pu dire, je préfère Kevin Aubin parce que, ou bien je préfère l'excès parce que, et puis il dit, où? C'est que toi et lui, vous me prenez
et puis vous me froissez comme ça, comme canette de Vimto. Elle dit, mais attends Kevin, tu as quel problème? En même temps, je l'ai bloqué. Je reconnais mon tort. J'ai été très mal poli parce que c'est ma grande soeur. Je m'excuse encore. Mais la chérie, vous me connaissez. Ça move, ça tape pas à faire pouf 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 dans ma tête là. Ça fait que pouf 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 pouf. Souvent, je veux pas, mais c'est plus. Oh Seigneur, donne-moi le discernement en 2024. Seigneur, faut prendre mon cœur, tu vas mettre dans glaçon. Oh, Sataka s'est calmé un peu, Seigneur. Oh, j'ai perdu tant de bonnes relations. J'ai perdu tant de bonnes relations à cause de mon caractère, mon sale caractère. J'ai perdu des relations. Je regrette. Sauf pour Delina. Mais sinon, je regrette. Pour Delina, sinon, je regrette. Donc, je l'ai bloqué. Le lendemain, je me lève. Je suis plus saoulé. Je suis yeux clairs. Marcel m'appelle. Il dit, aïe, toi, tu as dit quoi à Daisy? Que Daisy m'a appelé, que franchement Kevin, de toute façon tu t'es comporté là, c'est pas bien. Que jusqu'à tu l'as bloqué. Que même Daisy a dit que franchement, tu ne lui as jamais parlé comme ça, au point de la bloquer. Non, il faut la débloquer, tu n'as pas raison. Vous me connaissez. J'ai dit, ah, j'ai déjà fait. En temps, j'avais honte. Mais si je la débloquais, j'allais dire quoi? J'allais dire que, hé, pardon, j'étais saoulé. C'est pour ça que, non. Mais j'étais saoulé, mais ce que j'ai dit là, je pensais. C'est quand tu es saoulé, même tu dis ce que tu penses. Mais, si je n'étais pas saoulé, je n'allais pas être aussi boum dans mes propos. J'allais un peu. Tu vois, non, ça n'allait pas être fort, fort, fort comme ça. Donc, j'ai dit que vraiment, je ne peux pas la débloquer. La honte a fait que. Parce que j'ai la débloquer, j'ai dit quoi? Allô? Hé, j'étais saoulé, oh, c'est pour ça que le blocage est rentré dedans. Tu vois, c'était. Ça ne faisait pas. Donc, c'est comme ça, c'est resté. Marcel m'a dit, mais tu sais qu'elle t'aime beaucoup. J'ai dit, moi-même, je l'aime beaucoup. Si je ne l'aimais pas là, quelqu'un que j'aime pas, pourquoi j'aime me fâcher? Parce que son miel a dit que si j'aime, je ne l'aimais pas, pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que moi-même, je la considère que ça m'a piqué. Et puis, la personne qui m'a envoyé le lien, la personne a mis un truc dedans, un peu de piment. C'est parce que. Mais en tout cas, la personne qui m'a envoyé le lien là, c'est pas femme. La personne qui m'a envoyé le lien, c'est pas femme, c'est garçon. Mais il veut pas dire c'est qui. C'est pas Marcel en tout cas, c'est pas Marcel. Mais il veut pas dire c'est qui. Sinon, c'est pas une fille, c'est un garçon. La personne a mis comme Chouanou pour me pomper, pomper, pomper. Moi aussi, je me suis laissé aller. Je me suis laissé influencer. C'est comme ça, voici le palabre. C'est comme ça, je parle plus avec ma soeur. C'est comme ça que je ne parle plus avec ma soeur. Si je lui avais dit que, ah, ça là c'est quoi? Si je lui avais laissé le bénéfice du doute, si j'avais écouté ses explications, si j'avais écouté ses explications, on n'en serait pas là. Si j'avais écouté ses explications, on n'en serait pas là. J'aurais dû, en tant que petit frère, l'écouter. Mais comme je suis mamie bambin, comme je suis mamie bambin, un peu seulement, c'est moi qui veux attacher Pagne pour aller sur le terrain. C'est ça. Donc vraiment, c'est moi qui suis en tort, je reconnais. Je demande pardon à ma soeur. Peut-être qu'elle ne voudra plus me parler. Mais bon, de toute façon, depuis, on ne se parlait pas là. Chacun vivait. Hein. Elle n'est pas tombée en dépression. Je ne suis pas tombée en dépression. Chacun fait sa vie. Elle a de nouveaux amis même. Mais je demande pardon à ma soeur quand même. Et c'est un pardon sincère. Hein? C'est sincère. Sinon, pourquoi? Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je le pense. Donc, vraiment, c'est comme ça. C'est ça la véritable histoire. Et c'est ça. Donc, aidez-moi à lui demander pardon. Aidez-moi à lui demander pardon. Dans la vie, là, quand tu es en tort, faut dire je suis en tort. Sinon, c'est une fille que j'aime beaucoup. C'est une fille que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Même le jour de mon anniversaire, pour mes 27 ans, là, elle s'est faite opérer. Mais malgré ça, à 23h, elle m'a envoyé un message. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle s'est faite opérer, mais sur son lit d'opération, elle a tenu quand même à m'envoyer un message.
c'est parce que je suis dans son cœur. Sinon, elle n'est pas obligée. Donc, vraiment, ma soeur, tu sais à quel point tu as compté pour moi. Même si ça va plus être comme avant. Mais tu connais ton petit frère. Tu connais mes défauts, tu connais mes qualités. Dans mes défauts, là, je suis juste... Faut m'aider à changer. Bon, même si je pense que je ne vais pas changer à 100%. Mais faut... Je sais pas. Tu me comprends. Mon cœur va quand tu pas là. Je me fais des filles, baby boy. Sur moi. Et dans ma tête, tu fais les lois. Comment te dire? Toi, je suis faim. Oh. Et je continue à écouter ta chanson. Il m'arrive quand c'est pas le pas là. J'écoute. La dernière fois, même j'étais dans la voiture. Je conduisais. J'ai écouté. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer. Même si toi, tu as trouvé pour toi. Pour moi, toujours d'actualité. Au moins, je cherche toujours, mamie. Donc, j'écoute la chanson là. Tu sais que c'est ma chanson préférée de toi. Oh. Je cherche quelqu'un là. Ça, c'est ma chanson jusqu'à. Quand je cherche quelqu'un qui va m'aimer, si je dois le payer. Wow! Donc c'est la raison qui est là. Je sais. Hey, allez doucement avec moi dans les commentaires. Moi-même, j'ai reconnu mon tort. Donc ne m'aidez pas. Allez doucement avec moi dans les commentaires. Parce que les gens qui vont commenter pour me faire fort là, je ne vais pas vous laisser. Vous me connaissez, non? Ne me pour. J'ai dit qu'en 2024, là, je... Oh! Seigneur, faut m'aider. Faut m'aider, c'est un exercice qui est difficile pour moi. Le self-control, là, je ne maîtrise pas encore. Seigneur, faut mettre la technique du self-control dans moi. Et yo, ouais. C'est bon. Prochaine question. Tu seras chez qui à New York? Bah, je serai à l'hôtel. Hein. Moi, je ne peux pas aller habiter chez quelqu'un. Même si c'est pour 4 jours, je ne m'en ai pas. Moi, je me lève le matin, même je suis de mauvaise humeur. Tu vas aller chez quelqu'un, tu vas vouloir serrer ton visage. La personne va te dire, tu serres ton visage pourquoi? C'est que quand tu habites chez les gens, là, tu dois fonctionner en fonction de l'humeur de la personne. Si la personne veut rire, tu dois rire. Si la personne est fâchée, tu es obligé de rester dans ton coin. Si la personne veut sortir, vous devez sortir. Si la personne veut rester à la maison, vous devez être à la... Je ne peux pas habiter chez les gens, même quand c'est vacances. C'est compliqué. C'est difficile. Donc, je serai à l'hôtel. Mon New York là même, là, je pense que je vais aller faire que 3 jours. Parce que je commence une nouvelle émission lundi en direct à 22h. Le vrai match avec Bressinger. Donc, je vais aller que un week-end. Je ne pourrais pas aller 6 jours comme je voulais là. Parce que si je m'en vais après la CAN, parce que l'émission qu'on va faire là, ça dure que le temps de la CAN. Si je m'en vais après la CAN, je serai seul. Parce que mon ami avec qui je dois partir là, lui il a posé ses jours pour aller dans la période où on doit partir. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas. Donc, je vais juste aller faire 3 jours et puis revenir. Je travaille, je vais faire comment? Mais je m'en vais à l'hôtel. New York même, c'est hôtel qui est doux. Et puis mon hôtel là, c'est à côté de Times Square. Hein. L'hôtel que j'ai pris là. C'est à côté de Times Square. Un peu de Times Square, un peu de Kiabali à l'hôtel. Un peu de Times Square. Et puis je dois aller visiter l'immeuble de Dan Humphrey. De Gossip Girl là. À Brooklyn. Un peu de Kiabali. À l'hôtel, un peu de Brooklyn, un peu de Times Square. Donc c'est ça. En tout cas, je m'en vais être Jantra. À New York, là, je reconnais, je m'en vais être Jantra. Je m'en vais être Sao. Je m'en vais être Wolowos, mais gratuitement. Voilà, je ne peux pas aller à New York pour faire que la chasteté. Pourquoi? La story time va pleuvoir ici quand je vais aller à New York. 3 jours seulement là. Matin, je vais faire. Le soir, je vais faire. Le surlendemain matin, je vais faire. Le surlendemain soir, je vais faire. Le surlendemain matin, le surlendemain soir. Jusqu'à ce que je vais monter dans l'avion. Si même ils font pas attention dans l'avion, je vais faire. Dans... Tu donnes une mauvaise image de toi. Avec ça, là, qui va te prendre pour faire foyer? Tu donnes une mauvaise image de toi, Kevin.
Il y a ce que tu racontes sur internet. Qui va te voir pour dire que lui là, je veux de lui? Tu donnes une mauvaise image de toi? C'est quoi ça là? Ça là même les gens vont dire que ça là même tu n'es plus Dorothée. Tu es Jézabel? Tu es Jézabel, Kevin? Ça là c'est plus Dorothée, c'est Jézabel. Mais New York aussi, je ne peux pas partir pour faire que enfant de cœur. Je ne peux pas aller à New York pour faire que. Oh, rapide! Oh, rapide! Oh, rapide! Non, 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 non. Je dois aller faire. Wabody, 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 oh, rapide! Je peux pas. Aise. Ah. Prochaine question. Ah, maman. Maman Prochaine question. Pas de message, mais j'aime comment vous traitez Sandrine. Dieu vous bénisse, toi et ta famille. Pour ceux qui savent pas, Sandrine, c'est la fille de maison. Sandrine allait dire qu'on l'a maltraitée. Sandrine allait dire à sa maman qu'on l'a maltraitée. Ah, je vous avais pas dit ça. Oh, j'avais oublié de vous faire subérer la lingerie. Ouais, j'avais oublié. J'avais oublié de vous dire ça. Oh, c'est quitté de ma tête. Elle allait dire chez elle là-bas, au téléphone, qu'on la maltraite. Qu'elle est fatiguée. Elle veut partir. Donc, son papa est venu ici. Il a serré son visage comme ça parce qu'il devait venir chercher Sandrine pour aller faire 31 décembre dans leur village. Donc, elle est venue là. Son visage était serré. Donc, ma maman m'a demandé, « Hi, mon frère, pourquoi ton visage est serré comme ça ?» Il dit que vraiment, lui, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que nous, on maltraite sa fille et tout, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas pour ça que lui nous a donné sa fille. Ma maman dit, « C'est quelle de tes filles nous, on maltraite ici ?» Parce que nous, ta seule fille qu'on connaît là, c'est Sandrine. Il dit, « Mais c'est d'elle que je parle. » Ma maman dit, « Nous, on maltraite Sandrine. » Et Sandrine, on l'appelle, elle fait comme si elle est étonnée. Donc, moi, j'arrive à la maison, on dit que, hey, Sandrine, ta fille, que tu dis ta fille, là, celle que tu veux mettre au dos quand tu la vois, là. Elle dit qu'on la maltraite. Je dis, mais c'est pas possible, ma fille ne peut pas dire ça. Donc, elle était dans son village à paix. Je l'appelle. Elle était déjà partie au village. Moi, quand je venais, elle n'était plus là. Je l'appelle. Je dis, allô, ma fille. Elle dit, oui, mon papa. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle m'appelle tonton ou bien mon papa. Et toi, tu dis, on te maltraite. Elle dit, si tu parles pas ce que tu as dit, faut finir de manger escargot à Tia Salé là-bas. Quand tu vas finir de manger escargot à Tia Salé là, tu vas venir m'expliquer ça. Et puis j'ai coupé. Donc, moi-même j'étais plus fâché. C'est Noura et puis Nancy qui étaient fâchés. Parce que Noura dit que, pourquoi? Si Sandrine n'était pas contente de nous là, pourquoi Sandrine n'a pas dit à notre maman et puis ça son papa elle dit. C'est comme si elle considérait pas notre maman comme sa maman. Donc j'ai dit au fils là, calmez-vous. Quand elle va venir, elle va nous expliquer. Donc, quand elle est venue là, Noura la boudait, Nancy aussi la boudait. Donc ma maman l'a fait asseoir pour dire que, ah, pourquoi quand tu n'es pas contente, tu me dis pas. Elle parle pas. Donc ma maman lui a dit, bon, faut m'expliquer. Le jour où tu as dit à ton papa quand tu maltraites là, ce jour-là, il s'est passé quoi? Forcément, quelque chose s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, il s'est passé quoi? Peut-être que c'est ce qui s'est passé ce jour-là, tu n'as pas supporté. Et puis, tu as appelé ton papa. Elle dit non, c'est pas moi j'ai appelé mon papa, c'est mon papa qui m'a appelé et puis je lui ai dit. Ma maman dit que ce soit toi qui as lancé l'appel, oh. Que ce soit l'appel qui t'a trouvé ici. Oh. Dans tous les cas, tu as dit. C'est pas qui a appelé qui est important. Que ce soit toi qui es appelé, que ce soit lui qui t'a appelé. Tu as dit. Donc moi-même, je suis venu m'asseoir aussi dans la réunion là. Parce qu'elles étaient que deux. Je dis, Sandrine, je t'écoute. Elle dit non. En fait, c'est parce que ce jour-là, les filles là m'ont trop envoyé. Je dis ah. J'ai dit à ma maman. Je dis mais. Elle a raison. Les filles là m'envoient. Noura même, c'est une petite princesse. Elle ne peut pas se lever un peu pour aller à la boutique. Sandrine, il faut aller faire ça. Sandrine. J'ai dit ça à maman. J'ai dit, mais Sandrine, c'est pas une machine.
pas vrai. Elle devait pas dire à son papa qu'on la maltraite. Mais c'est pas une machine. Sandrine, Sandrine, il reste un peu. Elle va prendre les cloches là pour faire. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je trouve que c'est... les filles là, quand elles vont voir la vidéo là, elles vont dire que je l'ai torpille sur YouTube. J'ai loupé. Quand je dis venez, on va faire vidéo, vous voulez pas. Toi, Noura, quand je dis viens, on va faire vidéo, maintenant je travaille. Tu es en stage. C'est ça qui est là. Donc, le jour que tu as CDI là, tu vas me dire même toutes les vidéos qu'on a faites ensemble là, de supprimer. Petit stage, tu as eu là. Tu peux plus faire vidéo YouTube. Le jour que tu as signé CDI, tu vas me dire de supprimer toutes les vidéos YouTube où tu es dedans. Hein? Même hier soir, j'ai dit on n'a qu'à faire vidéo. Elle dit que elle est fatiguée. Que elle travaille maintenant. Juste quand elle me dit, quand tu veux qu'on fasse une vidéo, viens tôt. Parce que 21h c'est tard. J'ai dit que souvent on fait vidéo ici à 1h du matin. 21h c'est tard. La directrice d'agro-business, la patronne du FMI, celle-là même qui a dessiné le plan du quatrième pont qui relie le Bourgoin à Makori. Elle est fatiguée. Mamie, tu es fatiguée. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Donc je vais bien vous critiquer dans la vidéo. Comme ça, quand demain, je vais vous dire, venez, on va faire vidéo là. Vous allez venir faire pour vous défendre. Voilà, vous allez venir donner votre droit de réponse sur YouTube ici. J'ai loupé. Donc, en tout cas, ma maman lui a dit à Sandrine, s'il y a quelque chose, il faut me dire. Ou bien tu dis à ton tonton, tu dis à Kevin. Tu entends? Elle a dit, ok. Donc, les filles disent qu'elle n'en voit plus. Donc, non, c'est plus Noura, n'en voit plus Sandrine. Mais, pas pour longtemps. Parce que même hier, non, c'est envoyé. Moi, je savais qu'elle ne pouvait pas tenir. Quand je fais Sandrine, nous, on ne va plus envoyer. On ne va plus envoyer. Je l'ai regardé. Yeah! Nancy a envoyé Sandrine. Je suis couché, j'entends Sandrine. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Vous faites un direct. Je ne sais pas. Vous l'envoyez. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et puis, quand vous l'envoyez, vous ne voulez pas qu'elle dure là-bas. Pourtant, Sandrine, quand tu l'envoies, elle dure parce qu'elle en profite pour aller voir son gars. Elle en profite pour aller voir son gars pour faire son wano. Elle se va faire son wano. Mais vous vous dites que quand elle se va mettre, elle n'a qu'à venir. Donc, elle ne voit pas l'intérêt de partir. Parce que quand vous l'envoyez là, elle, elle en profite pour aller faire son wano pour voir son gars. Ah! C'est ça. C'est ça. Moi, en tout cas, je suis avec Sandrine. C'est ma fille. C'est pour moi. Voilà. Et ça fait genre, j'expose ma famille sur internet. Ben, ça fait genre, j'expose ma famille. Non, mais j'explique. J'ai toujours tout expliqué. Non, j'explique. Bon. Non, j'explique. Ça, c'est pas ça. C'est pas secret, secret, secret. Ça, c'est pas secret. C'est pas secret. C'est pas secret, 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 secret. Non, ça, c'est pas secret, secret, secret. C'est les petites choses des maisons qu'on peut dire. On a dit plus que ça. Et on a dit plus que ça. C'est pas secret. Donc, c'est ça. En tout cas, merci. On s'occupe bien d'elle. Mais maintenant, là, elle a demandé pardon. Qu'elle va plus appeler là-bas. Que si elle n'est pas contente de quelque chose, elle va nous dire. On lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a repris le cours de la vie. Prochaine question. Pourquoi Noura et Kuki refusent de faire la vidéo des photos? Je ne sais pas. Oh. J'ai demandé à ma soeur et mon frère de faire une vidéo avec moi où on commente nos anciennes photos, les anciennes photos de notre maman, de notre papa. J'ai même scanné. Voici ça, j'ai envoyé à Kuki. Je dis, j'ai scanné des photos là. Tellement je prends mon travail de youtubeur au sérieux. J'ai pris les photos là. J'ai donné à mon monteur Loïc. Je dis, Loïc, il faut scanner. Loïc a scanné, jusqu'à Loïc dit que le gars qui a scanné a dit que je dois payer 5 000. J'ai dit ok. Hier soir, j'arrive. Je lui ai dit, venez, on fait la vidéo. J'ai scanné les photos pour qu'on puisse mettre au montage. Noura dit que ok. Elle va se coucher un peu quand je suis prêt de la réveiller. Je suis allé me laver donc. Je rentre dans sa chambre.
Elle dort. Je la tape. Je dis, Noura, j'ai mis la ring light. J'ai déjà posé ma caméra. Elle ne s'élève pas. Je la tape. Elle dit, hey, Kevin. Je dis, hey. Oui, je vais bien gâter ton nom. Je vais gâter ton nom. Je vais bousiller ton nom. Jusqu'à on va faire la vidéo là. Je la tape. Elle dit, hey, Kevin. Ah. Je dis, hey, Noura. Moi, je te réveille pour faire une vidéo avec moi. Noura, je te demande pardon même pour faire la vidéo. Juste quand tu cries sur moi, moi, ton grand frère. Tu respectes pas mon travail. Descends ça là, je t'ai donné l'argent, Noura. Peut-être que ce que je t'ai donné, c'est pas beaucoup, hein. Mais ce travail ça là, je prends et puis je te donne. Devant tout le monde, je t'ai donné 100 000. C'est comme ça que tu me fais. Pas de soucis. Je suis allé appeler Cookie. Il y a des cookies, on va faire à deux. Il dit, ah, bon, on n'a qu'à attendre aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui à 14h. Où je suis en train de parler là? On est le jeudi 18 janvier 2024. Vous allez voir cette vidéo là le vendredi 19 janvier, non? On est le jeudi 18 janvier. Il était 14h. Le match de la Côte d'Ivoire, c'est à 17h. Je dis, Cookie, avant que le match ne commence à 17h là, viens, on va faire la vidéo là, nous deux. Parce que Noura peut pas, elle est au travail. Il dit, mais comment ça Noura au travail? Normalement, aujourd'hui, c'est demi-journée, donc. La Côte d'Ivoire joue normalement dans toutes les administrations aujourd'hui là. La Côte d'Ivoire joue donc cette demi-journée. Les gens travaillent jusqu'à midi 13h et ils sont libres. J'ai envoyé un message à Noura. Je dis que ah, tu seras là à quelle heure? Elle dit que je sais pas encore. Je dis mais c'est pour la vidéo. Normalement c'est demi-journée. Voici les messages. Lisez. Elle dit que nous on nous a encore rien dit. Il est 16h16. Où je suis en train de vous parler là. Il est 16h16. 18 janvier 2024. Elle n'est pas encore arrivée à la maison. Pourtant, normalement, tout le monde a fini de travailler à midi 13h. Ah! Je n'ai jamais vu une stagiaire qui dépasse le PDG comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait stage, qui a plus de travail que le DG, le PDG. Je n'ai jamais vu ça. Ah, madame la fondatrice de la société. Oh, merci. Ayo. Noura. Ayo, kaka. Ayo, ka. Il n'y a pas de souci. Ayo. Ayo, ka. J'appelle Kuki à 14h là. Je dis que, ah, viens, on va faire la vidéo à deux. Il dit, mais on n'a qu'à attendre Noura. Je dis, mais je ne sais pas, elle va venir à quelle heure. On n'a qu'à faire à deux. Si je parle, vous allez penser que je mens. Écoutez ce qu'il m'a dit. Tu as pressé comment? Tu savais qu'on devait faire vidéo, non? Non. Ok, il t'a dit qu'on faisait la vidéo aujourd'hui. Tu as dit en faisant la vidéo, tu m'as pas donné deux. Il t'a dit qu'après-midi, il est 14h. Là, il est 14h, 15h. Et puis la vidéo même, là, les gens sont hypés pour qu'on la fasse à 3. Ça, ça donne une. C'est ce que vous me faites, non? Non, quand tu as été victimisé, c'est ce que vous me faites. C'est que tu vas en face de nos pages du temps. Tu nous demandes pas quand on est disponible. Tu veux que tu tombes. Mais toi, tu fais quoi de tes journées? Je vais regarder ma journée comment? Non, tu sors pas les bois. Non, il va regarder le match. Le match à 17h, il est 14h. De tout côté, c'est rempli. Il a fait attendre les gens de bravo. Eux, ils ont voiture, ça va. De côté, c'est rempli. Il n'y a pas de souci, pas parti. À toi, les gens nous ont écrit comme ça. Ça, là, on fait à toi. Hein, tu mets ça le soir. Ou bien, tout, on fait à toi bien. On fait bien la vidéo à toi. Tu me comprends un peu? Il n'y a pas de souci. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais si tu fais la vidéo seule aussi, c'est que tu es un gros aigri. Voilà, oui. Tu fais une vidéo seule, ça ne va pas chier. Je t'ai enregistré, ils ont tout entendu. Ils ont tout entendu. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu comment ils me font, non? Vous êtes témoin. Vous avez entendu, non? Quand je mets ici, il me met là-bas. Quand je mets là-bas, il me met ici. Jusqu'à, je croyais pas, je pensais qu'on allait quand même faire avant qu'il ne parte. Il allait s'habiller. Jusqu'à il a porté mes lunettes. Il s'est habillé, il a porté son maillot trafiqué là. Son maillot qui n'est pas original là. Il a porté mes lunettes. Voici la vidéo. C'est pour faire ça là, tu n'as pas voulu faire la vidéo. C'est pour ça là, tu n'as pas voulu faire la vidéo. C'est pour ça tu n'as pas voulu faire la vidéo. C'est pour ça. Voici mon avis. C'est pour ça. Là-bas, on m'attend. Juste porter maillot. Pas de vidéo de porter mes lunettes.
C'est dans ta lunette. Ça, c'est dans ta lunette. Arrête ça là. Arrête ça. Arrête ça là. Il faut arrêter. Viens, on va. Y'a dit ça. Yango là, ça va payer. Moi, j'ai payé ton Yango. Je suis mou. Je ne me sens pas soutenu dans mon travail. Je ne me sens pas soutenu dans mon travail par mes frères et sœurs. Ça me fait de la peine. Je ne vais pas vous le cacher. En vérité. En vérité, ça me fait de la peine. Ça me peine. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas le choix. Pourtant, c'est une vidéo qui allait être chic. C'est nos anciennes photos. Quand nous étions petits, quand moi j'étais petit. Vous voyez, non? C'est ça. Mais bon, ils ne veulent pas. Que puis-je faire? Je ne peux pas les forcer. Je ne peux pas les forcer. Je ne peux pas les enjoindre. Je ne peux pas leur mettre une injonction à faire la vidéo. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Je respecte le choix. Je respecte le choix. Ainsi va la vie. Et ainsi va YouTube. Ainsi va la vie. Et ainsi va YouTube. Tellement ça me fait mal, je ne peux pas crier. J'ai honte. J'ai honte de vous dire que mes frères et sœurs refusent de faire du contenu avec moi. J'ai honte. Ah. Bon, évidemment que j'exagère. Elles sont pas paresseuses, elles sont pas si paresseuses que ça, mes soeurs. Elles sont même pas du tout paresseuses. Mais je dois leur faire ça. Comme ça, demain, quand il y a lui dit, venez, on va faire vidéo là. Ça va venir s'asseoir. Prochaine question. Ça te fait mal de voir. Ça te fait mal de voir que Marcel travaille pour la CAN comme influenceur et pas toi. T'es pas jaloux? Tu es bête ou bien? Toi qui as posé la question là. Tu es nalomain. Tu es sûr que ça tourne bien. T'es sûr que ça tourne rond? T'es sûr que ça va? Eh, je crois pas. Je pense que t'as pété une durite là. Je pense que t'as pété un câble. Ça va pas. Genre, yo, comprends pas. On devait nous prendre nous tous quoi. C'est influenceur. La CAN. C'est pas ONG CAN. Si on pouvait prendre tout le monde là, ça se saurait. Si oh, les gens là ont pris mon ami, pourquoi je devrais être jaloux? Je suis pas sorcier. Ça, c'est le comportement des sorciers. Tu m'as déjà vu dans ton songe en train de boire ton sang. Tu m'as déjà vu avec griffe en train de me transformer en corbeau. Tu m'as déjà vu en train de me transformer en chauve-souris. Ouais. Je suis pas sorcier. Je suis très content pour mon ami et même très fier. Il va au stade, il rencontre les joueurs. En tout cas, il vit sa best life. En plus, on le paye bien. Je suis content. Lui et moi-même, on n'aime pas ballon. Mais l'expérience, c'est pas avec des ballons, c'est une expérience humaine. Voilà. Sinon, Marcel et moi-même, on connaît quoi dans ballon? Rien. Moi-même, je connais que lui. Mais c'est l'expérience humaine là-même qui fait que je suis content et fier de lui. Hier, yeah! Il est monté dans hélicoptère. Hélicoptère avec Edith Brou. Elle aussi, elle travaille pour le Koukan. Je suis content et fier pour mon ami. Ou bien parce que je n'ai pas fait lettre pour dire bonjour la Côte d'Ivoire. Je suis si fier de mon ami, virgule. Oh là là, quel bon choix, point d'exclamation. Si c'est pas lui, c'est qui d'autre? Personne. Parce que je n'ai pas fait lettre. Tu es bête ou bien. Et puis c'est mérité, c'est un créateur de contenu. On ne pouvait pas prendre tous les créateurs de contenu. S'ils ont pris Marcel et qu'ils ont pris d'autres, c'est très mérité. C'est des gens qui bossent depuis des années. C'est des gens qui ont assis une communauté grâce à leur talent, leur travail. Et je pense vraiment ce que je dis. Je vais être jaloux pourquoi. Mon ami gagne
bien sa vie. Moi-même, je ne suis pas un reste. C'est quand tu n'as rien que ton ami gagne, jalousie peut rentrer dedans. Mais il gagne, je gagne. On ne gagne pas dans les mêmes choses, mais il gagne, je gagne. Donc, je suis content. Content et fier. C'est ça. Si c'est ce que tu veux entendre pour que tu sois rassuré, je te le dis. Tu entends? Merci. Je ne travaille pas pour le CoCan, mais lundi, je commence une émission qui dure toute la CAN du lundi au jeudi à 22h. Donc peut-être même, si je travaillais même pour eux, j'aurais même pas eu le temps de trucs. Mais je ne suis pas en train de vous dire que si on m'appelait pour travailler pour le CoCan, je n'allais pas partir. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est hypocrite. Si je dis que si on m'appelait, je n'allais pas... Ça, c'est hypocrite. Parce que c'est une fierté en tant que créateur de contenu. Quand le comité d'organisation de la CAN qui se fait dans ton pays t'appelle pour être influenceur pour eux, pour travailler avec eux, c'est une fierté en tant que créateur de contenu. Donc, j'allais partir. Les créateurs de contenu qui font, ils m'ont pas appelé, mais je m'en fous. C'est pas que on s'en fout pas. Mais ils n'ont qu'à reconnaître aussi que ça leur plaît. Ça leur plaît. Nous tous, ça leur plaît des faits. Maintenant, si on ne m'a pas appelé, qu'ils ont appelé mon ami. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Le ciel est mon aide et moi. C'est ce que j'ai dit là. Il n'y a pas de mensonge dedans. Je le pense. Hein? Donc, ta question est très bête. Tu entends? Ta question est bête. Mais ça leur plaît des faits. Je ne peux pas venir faire genre. Ils m'ont pas appelé, alors dans tous les cas, je n'aurais pas accepté. J'allais courir même pour partir. Mais on m'a pas appelé, maman. De faire quoi? Mamie, stupide. Question que tu as posée là, stupide. On m'a pas appelé, de faire quoi? D'aller dire que je veux être pompon gueule quoi. D'aller dire que vous m'avez pas appelé, mais je veux être bénévole. Parce que entre eux là-bas là, hey, entre eux là-bas là, il y a un qui est parti, les bénévoles, lui on n'avait pas appelé. C'est lui-même qui est venu pour dire que je veux être bénévole. Marcel a contrat. Edith Brou a contrat. Eux tous ils ont contrat, sauf un. Il est parti, je veux être bénévole. Bénévole. Juste pour qu'on le voit dans les vidéos. Pour que les gens disent que hey, lui aussi il est dedans. Hey, lui aussi il est influenceur de la CAN. Sec. Il allait faire le Njor là-bas. Tout ce qu'il fait là-bas, là, c'est le Njor. John. Je vais pas dire son nom, sinon après encore ça va rester sur moi. Ça va rester sur... Mais c'est bien. Non, mais c'est bien d'être bénévole pour son pays. Franchement, c'est franchement bien. C'est bien d'être. Je suis pas en train de dire que le bénévolat pour son pays c'est mauvais. Pas du tout. Voilà. Moi-même, si j'avais le temps, je l'aurais fait. Mais comme je vous ai dit, avec mon emploi du temps à la télé, tout ça, je peux pas. Si je pouvais être bénévole pour la CAN de mon pays, je l'aurais fait. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un dedans qui est bénévole. Je vous donne juste l'information. Il aime tellement la nation, on l'a pas appelé, il allait faire bénévolat. Et c'est bien. C'est tout à son honneur. C'est un bon exemple à suivre. Mais je ne vais pas dire son nom parce que peut-être il n'a pas dit aux gens qu'il est bénévole. S'il avait dit sur ses réseaux qu'il était bénévole, j'allais le féliciter publiquement. Mais comme apparemment, il n'a pas encore bien dit. Non, faut pas. Et puis, ça va encore rester sur moi pour dire que je parle des gens sur YouTube. Pour dire que, oh, l'harcèlement. Le harcèlement. Kevin, pardon, je ne veux pas. Bénévole, là, même est-ce que je devais dire? Oui, mais c'est pas méchant, c'est bien. Non, c'est bien. C'est pas compatriotage, je fais, c'est bien ou bien. Arrêtez de me. Vous voyez, quand vous me posez des questions comme ça, je parle. Ça me crée les trucs après, ils vont encore venir dire que. J'arrive pas à me maîtriser. Dernière question. Ton top 3 de tes collègues que tu aimes le plus et le moins. Top 3 de mes collègues que j'aime le plus et le moins. Le moins là, je peux pas dire. Je vais venir dire mes collègues que j'aime le moins. Et puis ça a resté encore sur mon petit qu'il allait parler mal de ses collègues sur YouTube. Je vais dire ce que j'aime le plus. Le moins là. Vous-même, vous allez deviner. Brazinger. Ma collègue de tous les jours et amie. Daouda. Mon collègue de tous les jours et grand frère. Troisième là, je peux dire quoi? Collègue animateur ou animatrice que j'aime le plus. Brazing, Daouda. Non, j'aime beaucoup, hein. Mais comme vous dites que top 3, Brazing, Daouda,
Antonella Gantouze. Parce qu'Antonella, on n'est pas amis, mais on s'entend très bien. Voilà. On s'entend très. Je ne veux pas dire qu'on est amis, tu vois. Mais on s'entend très bien. Même que quand elle a gagné l'animatrice la plus stylée de la chaîne, elle m'a passé son trophée. On se taquine beaucoup. Donc, on se taquine beaucoup. Et elle n'est pas susceptible, je ne le suis pas non plus. Donc, on se taquine. Il y a des gens, faut pas trop les taquiner, tu vois. Mais Antonella, on se taquine, on rigole à chaque fois qu'on se voit. Même quand je suis pas de bonne humeur, elle me dit tu as serré ton visage encore. Tu vois, genre, on s'apprécie beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup Antonella et je pense que c'est réciproque. Donc, Brazing, Daouda, Antonella. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais vous avez dit top 3. Donc, je suis obligé que de citer 3 personnes. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres que j'aime. Willy, Willy Dumbo, Fabrice Indé. Il y a plein, tu vois. Il y a beaucoup d'animateurs et d'animatrices que j'apprécie. Mais vous avez du top 3. Maintenant, ce que je n'apprécie pas là, vraiment, je ne peux pas citer. Sinon, quoi, ça va rester sur moi. Je suis fatigué. C'est quoi? Je suis fatigué. Je ne peux pas faire parler tous les jours. Vous aussi. C'est quelle question ça? Je ne peux pas. Bisous, je vous aime et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Hey Daisy, on a qu'à se réconcilier, ma soeur. Je te manque pas un peu, Daisy? Je te manque pas après tout ce qu'on a vécu.